Coucou les balances, aujourd'hui je vais regarder donc votre signe pour le mois d'avril 2023 avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver en fichier numérique, en téléchargement donc sur mon site, format JPEG et PDF. Donc là pour les cartes, j'ai sorti un premier paquet qui représente donc ton travail. Ce paquet-ci représentera ta maison, les personnes qui vivent autour de toi. Celui-ci représente donc les sentiments et je vais tirer encore une carte qui va représenter ta surprise, ce que l'univers t'envoie. Donc nous allons commencer par le premier paquet du travail où une quatrième carte est sortie. Donc je l'ai laissée, on va voir ce que c'est. Donc pour le travail, nous avons ici le carrosse, les nouvelles, le pacte et l'abondance. Donc là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui arrive à toi avec le carrosse, des nouvelles assez importantes d'ailleurs, quelque chose qui va aller assez vite avec le carrosse, c'est quelque chose qui est assez rapide. Le pacte et l'abondance, donc il y a signature de quelque chose, hein, d'un contrat, ça peut être un contrat de travail, éventuellement aussi racheter un véhicule pour travailler, pour se déplacer. Ça peut représenter aussi des gens qui font du commerce à domicile, des représentants. Donc il y a des jolis contrats là, qui arrivent en perspective. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est quelque chose qui va aller très très vite là. Donc des bonnes nouvelles pour vous au niveau du travail, les balances. Hein. C'est super bon. Ensuite, nous allons faire la maison. Donc pour la maison, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la justice, le donjon et le roi. Donc là, ça pourrait éventuellement concerner un monsieur, ou bien ça peut être quelqu'un qui vit avec vous dans la maison, mais ça représente éventuellement un homme, ou des nouvelles venant aussi d'un homme. Hein. Donc là, le donjon, c'est peut-être quelque chose qui était bloqué au niveau de la justice, mais avec le donjon, ça reste bloqué. Donc ça pourrait être aussi des nouvelles d'un avocat, quelque chose comme ça, pour vous dire que c'est un petit peu bloqué. Ça peut représenter aussi une personne, là, un monsieur, qui serait enfermé, emprisonné, en garde à vue, quelque chose comme ça. Ça peut représenter ça aussi. Hein. Donc là, voilà, des retards de papier, ou enfin, votre avocat va vous dire qu'il y a des retards, il y a des choses même qui sont, enfin, c'est même plus des retards, c'est bien bloqué, là. Donc quelqu'un, éventuellement, qui sera enfermé. Voilà pour la maison. Oui, c'est des papiers aussi pour l'achat d'un bien aussi, quelque chose qui serait aussi bloqué. Voilà. Donc ici maintenant les sentiments. Les sentiments, nous avons les cartes de l'amour, planté et la réparation. Donc là, si vous êtes en couple, ça peut concerner un couple. Il y avait des petites difficultés et donc il y a des petites difficultés et on essaye de réparer les choses, on essaye de pardonner des choses comme ça et avec le planté on essaye de repartir sur des bonnes bases. Donc c'est des bonnes cartes quand même, il n'y a pas de souci. Oui, il y a peut-être des choses comme ça, des excuses à faire, des choses comme ça. Et pour les personnes qui recherchent éventuellement donc quelqu'un actuellement, avec l'amour et réparation, vous allez peut-être revoir votre façon d'analyser une situation, de rechercher quelqu'un. Peut-être que vous aviez mis la barre un peu trop haute pour trouver quelqu'un. Et là, vous allez revoir un petit peu les choses autrement avec planté. Vous allez vraiment voir, peut-être aller vous mettre sur un autre site ou bien sortir davantage. Enfin, revoir votre façon de trouver quelqu'un. Voilà. Et pour la surprise, donc pour votre surprise, vous avez les festivités. Donc les festivités, c'est une invitation pour vous. Voilà. Quelque chose ou quelque chose de festif qui va arriver, qui va vous faire plaisir. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma page, ça me fait plaisir. Merci, bye bye, à la prochaine.